Salut à tous! Hey, salut! C'est Didine GG de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, présentation des cadeaux de Noël. Oui, on a été très très gâtés comme d'habitude. Ouais, pourri même, je dirais là. Pourri gâté, ouais, franchement. Mais on a partout. Je sais même pas si on mérite tout ça. Père Noël a été très généreux. Ouais, il était gentil. Ouais. Parce qu'on a été gentil. Oui, je pense aussi. Donc, mais avant de commencer la présentation, on tenait à vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Ouais, meilleurs vœux du coup, les amis. Voilà, Benji avait fait une petite vidéo assez sympathique. Ouais, c'était sympa avec Greg. Pour des vœux, donc plein de bonheur, surtout la santé pour la santé, tous. Ouais, et on vous souhaite d'énormes trouvailles. Ouais, des trouver pépites. Des pépites hallucinantes de la Neo Geo. De la Neo Geo à la Switch, comme vous voulez. Allez, soyons fous. Soyons fous. Donc, je vais te laisser comme. Ouais, donc on va commencer. Bah de mon côté, j'ai été pourri gâté, franchement. C'est chouette. Hein. Chaque année, quand on déballe les cadeaux, c'est juste topissime, franchement. Des gosses, quoi. Ouais, on est des vrais gosses, hein. C'est ça, quoi. Allez, je commence, on va arrêter de parler. Donc, j'ai reçu cette petite boîte. Cette boîte point d'interrogation. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, cette boîte? Mais c'est une petite boîte de rangement pour ranger les jeux Switch en loose, bien sûr, parce que les boîtes ça passe pas. C'est que là. Et donc vous pouvez mettre, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartouches. Jeux, oui, cartouches. Et vous pouvez mettre 4 cartes SD. C'est non, c'est et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Franchement, c'est sympa. Même le point d'interrogation, c'est super en cube, original. C'est trop original. Avec ceci, j'ai eu une petite pochette. La pochette pour ranger la Switch édition Pikachu. Pas en boîte, hein, bien sûr. De quoi? Bon, on peut pas mettre la boîte dedans. Ah oui, non, mais tu vas pas commencer. Pardon. Oui, heureusement, parce que la machine, elle serait. Mais elle est belle. Elle est belle, ouais. Bah, c'est Pikachu. Non, franchement, c'est trop bien. C'est top du top. Du coup, je continue dans les goodies. Bah, de toute façon, j'ai des goodies. En même temps. Allez, allez. Aussi, j'ai eu cette magnifique tasse. Elle est trop belle. Je la retourne. Ah, voilà. Comme vous voyez sur mon t-shirt, hein, je suis un grand fan de Donkey. Je ne comprends vraiment pas du tout. Donc, je sais pas ce que je vais boire dedans. Est-ce que je vais boire du café ou on pourrait boire de la bière, ça ferait une petite chope. Aussi, ouais. Hein, mais non, je la garde en déco. Ah, elle est magnifique, dommage. J'étais trop trop content aussi. Quoi. Pour, vu que je veux faire... j'aimerais faire une collection thème... Donkey Kong, ouais. Ouais, et plusieurs personnages de jeux vidéo comme Crash, Spirou. Spirou, ouais, Donkey. Mais bon... Il va falloir être très gentil pour avoir tout. Et il y en a. Il y en a. Et est-ce que je vais représenter? Oui, je vais représenter. Hein. Vas-y. Hein. Donc, je vais représenter celui-là. Donc, j'étais étonné sur le coup quand j'ai déballé. C'est un mystère, cette boîte. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une horloge murale avec... Des manettes, tout ça. Je vais vous mettre... De toute façon, vous aurez la photo. La photo, ouais, ça sera plus, l'horloge. Ça sera plus simple parce que même moi, sur le coup, j'ai dit « Ouais, bah c'est quoi ?» Et oui. Du coup, c'est une horloge murale et vous verrez... franchement, c'est trop bien. Ça sera pour notre prochaine gaming room. Ouais. Donc, chaque fois, on le dit, mais ça sera prochain. Dans 5 ans, je pense. Ouais. Ensuite, je vais commencer. Hein. Ouais, vas-y, bah oui, j'ai bien commencé déjà. Donc, je vais commencer par un petit truc qui me fait trop délire. Ouais. Donc, c'est des chaussettes. Yoshi, fallait pas se poser de questions. Ouais, non là j'ai été pourri en Yoshi. Ah bah oui. Donc là, des belles petites chaussettes Yoshi, mais je pense pas que je les mettrais. Ah bah non, ça tue l'amour un peu. Non mais elles sont trop belles. Winnie elle est ça, elle est en train de jouer avec le plastique là. Relou, c'est le plastique des chaussettes. Ouais, d'accord. Ensuite, donc c'est plein de petites goodies, c'est pareil, c'est trop mignon. Donc c'est des petits aimants... Ou pareil, je pense que je mettrai la petite photo. C'est des petits aimants, donc on a les petits cubes, on a... Les petites manettes pour mettre sur le frigo. Les petites carapaces, on a Mario, on a Luigi, pour créer un petit monde sur le frigo. Est-ce que t'as Mario là pour montrer? Ouais, j'ai Mario, j'avais Luigi, je sais pas. Ah oui, Mario, je l'ai, toi. Là, j'ai le champignon là, moi je le déballe pas, mais voilà. Je sais pas si. Ah non, ils vous libéreront pas. J'ai le champignon. On a pas mal de. Voilà, le petit Mario. Il y en a pas mal. Tout est dans le petit carton. En train d'exciter le chat là. Voilà, tout est dans cette petite boîte. Ouais. C'est une boîte. Ah, c'est sympa, ça va mettre tout le frigo. Ouais, c'est. Parce que Didine a décidé que dans le. Dans la gaming room, oui, on aura un petit frigo. Et pour mettre quoi? Ah, si on a soif. Ah oui, mais quoi? Tu veux mettre quoi dedans? De l'eau? Du coca. Ah, du coca. De la bière. Coca le zéro?
ouais. Sans sucre. Donc non, franchement, c'est un super petit cadeau original. Ouais. C'est chouette, ouais. Ensuite, je continue ou comment que ça va? Ah oui, bah tu viens de commencer, t'as présenté deux trucs. Bah je vais montrer ça. Ah oui. Ah, je montrerai après. Bah montre la boîte. Donc. Après de parler. Donc c'est la tasse. Yoshi, après la tasse. Trop belle aussi. Bah la tasse Yoshi, elle est... Par contre, j'avais la boîte, mais c'était une boîte toute simple, elle était blanche sur elle ma tasse. Trop belle. Ouais, qu'ils auraient pu faire pareil. Elle est magnifique. Et ouais, dans le fond, il y a un petit Yoshi. Ah, j'avais pas vu ça, moi. Si, si. Ah, il est magnifique. Ah, si, si. Ah, si, elle est trop belle. Mmh. Elle est trop belle. Mais c'est pareil. En vrai, je crois bien qu'il va falloir une pièce spécialement pour les Yoshi. Pour les Yoshi, ouais. Mais elle est trop belle. Franchement, oui, parce que moi aussi j'aimerais bien me faire bah oui, bah c'est un coin spécial Yoshi. Je pense qu'on avait deviné. Mais il est déjà quasi commencé dans la chambre. Bah oui, ouais. Ah bah oui, il y en a plus. Actuellement. Donc voilà, franchement c'est trop cool. Bah, tu vois, en plus c'était super marqué sur la boîte qui était là. Ah ouais, d'accord. C'est trop bien. Allez, elle représente encore quelque chose. Je sais pas. Allez. Bon, allez, je présente ça. Il est trop beau. Non mais il est trop beau. Oui, il est beau. Donc, une énorme, prend la place, mais il est beau. Une énorme peluche à la mèche. Oh, il est trop beau. Et en plus, regarde, il va faire des gros câlins. Ouais, mais il y a moi pour faire des câlins. À trois. Il y a le chat. Ah non, non, ouais. Non, franchement, non, il est magnifique. Je sais même pas comment. Non, si je commence à dormir avec des peluches. Et il est trop beau. Regarde. Ouais, il est magnifique. Franchement, il est trop, trop chouette. Elle est contente. J'adore. Arrête de jouer avec sa queue. Non, franchement, il est trop beau. Ouais. Et il est magnifique. J'ai le chat qui est intéressé. Arrête de le caresser. Il est trop beau. Et en plus, il est tout doux. Bah oui, comme le chat qui est intéressé. C'est con qu'on puisse pas tourner la caméra, c'est très drôle. Ouais. Bon, allez. Le chat, je sais pas ce qu'il a ce soir. Il est attiré vers nous, là. Hein, allez, vas-y, viens. Il va dire bonjour. Coucou. Coucou. C'est bon, Winnie? C'est bon, t'as vu? On peut continuer? On a le droit. Après, il va être blasé, le gros. Allez, bonne nuit. Allez, du coup. Ensuite. Tu viens reprendre le relais ou pas? Vas-y, parce que. Comme ça, je cause. Est-ce que je monte le reste ou pas? Comme ça, tu. Ouais, je monte le reste et comme ça, on. Je te sens, je te sens, voilà. Ensuite, on reste dans le Donkey Kong. Le jeu de société Donkey Kong. Donc, les règles, je ne sais pas du tout. Je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps de me renseigner encore sur les règles. Avec le boulot, tout ça. Et. Après, c'est un import. Alors, je ne sais pas du tout s'il était sorti en France à l'époque. Je sais pas. Donc, oui, c'est vrai que c'est marqué en anglais, donc je sais pas du tout. Mais ouais. Il vient d'Angleterre. Je vous mettrai, pareil, une image. De l'ensemble. Ouais, du plateau. Du plateau pour voir mieux. Mais ouais, franchement, c'est trop classe, quoi. Franchement, c'est juste top. À essayer. Il faut qu'on essaye. C'est pas facile à trouver complet, quoi. Ouais, parce qu'il y a tout. Ouais, il est complet et en bon état. En bon état, ouais. Parce que les trois quarts, sinon, c'est. Mais après, ils sont défoncés, quoi. On va pas se mentir, ça sera pas pour y jouer. Ah bah non, pas du tout. C'était vraiment aspect. Je le garde pour la jaquette. Collection. Benji. Ah, Benji. Le pauvre. Le pauvre. Alors ensuite. Je vais m'y essayer. Ensuite, j'ai eu Bomberman Fantasy Race. Donc ça, pareil, je me suis pas renseigné là-dessus, mais vu que j'ai lu un peu derrière quand même. Donc ça a l'air d'être un sort de Mario Kart like, je pense. C'est un jeu de course. Et t'as des courses, des sortes de mode battle aussi. Donc pourquoi pas, avec Didine, pourquoi pas tester, faire un petit gameplay pour la chaîne, pourquoi pas. Donc pareil, très content parce que je ne l'avais pas. C'est un Bomberman. C'est un Bomberman, ouais. Ensuite, je vais montrer celle-là. Cette magnifique figurine Crash Bandicoot avec Aku Aku sur sa face. Ah, elle est belle. Donc j'avais déjà la figurine Crash Bandicoot seule, sans le masque. Et ce qui est bien, celle-là, ce que je disais à Dini, ils ont rajouté des détails avec le sable. Ouais. Et pareil, le socle, il est vert. Ouais. Et franchement, elle est trop belle. En plus, je la voulais, c'est comme d'habitude, quoi, c'est génial. Hein. J'aimerais bien aussi avoir celle qui fait 30 cm aussi, la grosse. Ah oui, c'est la grosse, ouais. Voilà, comme le Spyro. Je dis ça comme ça. Et Méline, tu te rappelleras. Hein, ah oui, ça se trouve, je l'aurais acheté avant. Ouais. Non, mais parce qu'on en parlait avec Emeline, on savait plus c'était quoi que tu recherchais. Donc. La 30 cm, tu sais, mais c'est la même avec que tu oui, Méline, c'est la grande. Donc voilà. Donc Spyro, 30 cm, comme ça. Non, Crash. Crash. Oh putain. Mais non, la Spyro, on l'a. Ouais. Oh putain. Mais non, mais parce que c'était le petit Spyro qu'elle avait vu. Elle écoute vachement. Du tout. Crash. Ensuite, encore du Crash. Toujours du Crash. Donc ça, c'est ça sort de, comment dire, c'est une figurine, elle est où la marque, voilà, NECA. Donc c'est de Crash Bandicoot, c'est marqué Crash Bandicoot, mais c'est plus du Crash Warped,
je pense, parce que si je me rappelle bien dans mes souvenirs, c'est avec le jetpack. Ou c'est dans le 2, je sais plus. Franchement, je sais plus, j'ai un doute si c'est dans le 2 ou dans le 3 qu'elle jetpack. Et franchement, elle est trop belle. Ça me ferait chier de la déballer, mais je crois bien que je la déballerai quand même. Parce qu'elle est trop belle, ça serait dommage de la laisser dans le carton, celle-là. Et du coup, il y a aussi des autres collections. Ouais. Donc, tu as le Crash Bandicoot standard avec le jetboard et en plongeur. En plongeur, je l'ai vu sur Amazon. Ah, elle est belle aussi. Regardez. Je l'ai vu sur Amazon, elle est trop belle. Et celle avec le jetboard, là, je l'ai vu sur AliExpress. Pareil, elle est sympa. Ah oui. Et pareil, c'est dommage que c'est des boîtes comme ça. En plastique, ouais, t'es obligé de les couper. T'es obligé de les couper, quoi. Mais je pense que je serais obligé. Si je veux faire une vitrine dédiée à Crash Bandicoot, ouais, je pense que je couperai par derrière, comme ça je vais voir, je verrai bien. On trouvera une solution. Ouais, on va trouver une solution. Et c'est pas fini. Et pour mon dernier cadeau, ça j'étais content aussi. Bah, de toute façon, tous les cadeaux, j'étais très content. Il est content. Alors, franchement, c'est topissime. Regardez cette magnifique figurine de Crash Team Racing. Player, il l'a, ça y est. Ouais, Player, t'as vu, on t'avait envoyé une photo sur Messenger. Regarde comment elle est trop belle. Donc, elle est classe, celle-là, ouais. La particularité de cette figurine, c'est que... Attendez, si j'arrive à la démonter... Voilà, ça fait comme celle qu'on vous avait montrée dans une autre vidéo. Donc, vous mettez... C'est dans une vidéo. Dans une autre vidéo, c'était un Spirou. C'était Spirou, oui. Donc vous mettez de l'encens là, vous mettez dans le kart, mais il avance pas, attention. Vous remettez le pot d'échappement et ça logiquement il y a la fumée qui sort du pot d'échappement et franchement je trouve ça classe. Déjà celle de Spirou, il y avait la fumée qui sortait. Ouais. C'était Thibaut qui nous l'avait montré, parce qu'il avait acheté spécialement l'encens en triangle. Il l'avait fait exprès. Ouais, 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 il nous l'avait montré en pareil. Mais nous, on l'a pas fait sur la note. Non. Du coup, faudrait qu'on en achète. Mm. Mais franchement, c'est juste top, elle est magnifique. C'est beau, hein. Et du coup, bah, je vous fais des gros bisous au Père Noël parce qu'il va encore très. Il est trop gentil. Très très gâté, ouais, ouais. Voilà, c'est bon de mon côté. Donc, dis-moi l'année prochaine. Alors, il va falloir retrouver des idées aussi. Papa Noël va trouver. Ouais, bah, après, c'est pas compliqué. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, moi, de mon côté, donc, je vais terminer aussi. Donc, j'ai reçu cette magnifique manette. Ah, c'était contente, hein. Yoshi, ouais. J'ai craqué sa larme. J'ai pleuré, ouais. 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 Donc, pour la Switch. Donc, super contente, mais je pense à l'arrivée. Ah bon? Ah non. Non. Ah non, elle est comme la 3DS. Comme la 3DS. Ah, Noisy. Ouais, ah, Noisy. Donc, Noisy, regarde bien, elle restera dans sa boîte. Ah, Noisy, j'avoue, elle t'embête. Mais franchement, non, j'étais super contente. Je m'y attendais vraiment pas. Du tout. Ouais, elle était là, tu t'es fait avoir. Ah, franchement, ouais. Ensuite, alors là, c'est pas encore. Il est blasé, GG. Il en peut plus. Donc, ensuite. C'est un drone hélicoptère. Oui, c'est ça, ouais. Hélicoptère, c'est marqué dessus. Hélicoptère. Bah, Yoshi. Forcément. Forcément, mais il est trop beau, hein. Qu'est-ce que je cherche d'elle? Rien. Il est trop beau. Le Papa Noël, il a... Par contre, il y a les autres hélicoptères, là. Ouais, il y a un Yoshi bleu, en plus, je l'aimais pas. Ah oh, putain, elle a mis un Yoshi bleu, maintenant. Elle va vouloir le Yoshi bleu. Ah putain, terrible. Merde. Il y a un Yoshi bleu, puis deux Mario, mais on s'en fout, regarde. Elle est con. Ah, trop bien. Ah, j'avais même pas vu, en plus, non, j'avais bugué sur... Ah, t'as même pas fait gaffe. Non, parce que j'en regardais... Je t'avais montré, hein. Là, elle m'écoute vachement. Je regardais tous les détails et tout, et... Ah ouais. Ah, faut que je le trouve. Mais franchement... Je pense qu'il serait moins commun que... Après, peut-être... Ouais, à chercher. Ouais. Mais en tout cas... À trouver ou à chercher? Bah, à chercher pour trouver. Mais il est trop beau, hein. Même les hélices, elles sont vertes. Ouais, enfin. Enfin, voilà. Bah, bref. Ensuite, pour finir, donc... Ah, pour finir, oui. J'ai reçu deux petits jeux. Donc, je vous montrerai celui en dernier. Ouais. Alors, donc, le D3 Become Human. Ouais. Donc, un petit point and click que je voulais à tout prix. Bah, les créateurs, c'est ceux qui ont fait Viren. Mais ça, c'est un cadeau avant Noël que je t'avais fait. Oui, mais ça compte pour Noël, t'as dit quand même. Bah, moi, c'est pareil. C'était l'après. Ouais, ouais. Et ça faisait un bon moment hein, que je le voulais. Ouais. Et je suis contente. Ah, bah oui, depuis le temps. Et du coup, non, j'ai rien testé encore. Hein. Et ouais. Mais je suis très, très contente. Non, bah, de toute façon, on n'a pas eu le temps. Du tout. Ces jeux sont prévus pour faire des lives.
Mais le problème, c'est que en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. Du tout. Même pour faire des vidéos, franchement. Ouais, c'est un peu tendu. Ouais. Et le dernier jeu, alors là, je suis ravie. Parce que t'en as fait aucun. Parce que j'en ai fait aucun et je l'ai recherché sur PS3, sauf que je les ai eu sur PS4. Voilà. Donc c'est la série The Walking Dead. Donc il marque donc en gros qu'il y a 4 saisons, mais au final il y a 2 jeux en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a ça, les ouais. 400 jours et Walking Dead Michonne. Michonne. Donc je suis trop contente. Bah fait par les studios Telltale. Ouais. Je vais y arriver. Et confirmer. Toi t'as fait le Game of Thrones. J'ai fait le Game of Thrones sur PS3. J'avais kiffé. Et bah, j'ai hâte de pouvoir le. Ouais, parce que madame, le temps que j'étais au boulot, tu jouais. Ouais, bah Game of Thrones, ouais. Et franchement, je suis pareil, trop contente. Dès qu'on aura le temps, bah Dylan essayera de les faire En live, ouais. Ce serait sympa. Ouais, ça peut être cool. Il y a quoi faire là, vu qu'il y a 6 jeux dans le. Il y a 6 jeux au total au final, et plus celui-là, il y a une paire d'heures aussi. Si on en fait. Ouais, il y a moyen. Il y a un moyen. Il y en a pour l'année là, je pense. Ouais. Donc, la même série. Bah oui, je joue pas beaucoup. Je suis sur Tetris, je peux pas être partout. Ouais, Tetris 99. Tetris 99. Donc voilà, donc un gros merci. Big up à toi. Au Père Noël. Big up. Big up à toi. T'as géré. Oh ouais, tu gères. Ouais. Donc voilà, donc bah sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bah comme d'hab, à commenter, à liker, à partager, à nous dire ce que vous en pensez. Elle a lu son texte, c'est bien. T'as vu ? Ouais. J'apprends vite. Et sur ce, bah les amis, on vous fait des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss. Salut.